Ça y est, j'y suis, depuis le temps que j'en rêve. Il fait déjà nuit depuis de nombreuses heures lorsque je foule enfin le sol espagnol. Le voyage a été long et j'ai été malade toute la journée. Je ne réfléchis pas, je saute dans un taxi et parcours les quelques kilomètres qui me séparent de mon albergue. Il est 23h lorsque je passe le pas de la porte, tout mon dortoir est endormi et m'écroule immédiatement dans mon lit. Le réveil est matinal, peut-être un peu trop d'ailleurs. Il est 5h lorsque les ronflements laissent place aux douces mélodies des réveils. Je me prépare et file déjeuner. Ce matin, mon chemin débute par une courte section de train. Jusqu'il y a peu, nombreux étaient les pèlerins à marcher sur la voie de chemin de fer malgré l'interdiction. Au vu du réel danger, l'accès a finalement été bloqué, nous faisant débuter la journée par une courte balade ferroviaire avant de continuer en arpentant les pâturages et les chemins vallonnés. Santillana del Mar, ça va faire presque 20, ça va bien faire 20 km là. Déjà, ça va. On a eu de la chance. Il a plu qu'à partir de midi, plus ou moins. Et là, il pleuviote. Donc ce soir, normalement, je dors au couvent. Voilà où je dors ce soir. C'est magnifique. Bon, ça y est, bien installée au couvent. Et là, du coup, je pars me balader dans Santillana. J'ai du mal à le dire correctement. Santillana, et tout est absolument magnifique. Je vais essayer de me remanger une petite tortilla et vraiment profiter de la vue. C'est vraiment incroyablement beau. Santillana est aussi connue comme la ville aux trois mensonges, car contrairement à ce que son nom l'indique, elle n'est ni sainte, ni plate, ni sur la mer. Mais cela ne lui enlève vraiment rien de son charme. Ce petit village est absolument magnifique, on se croirait revenu plusieurs siècles en arrière. D'ailleurs, Sartre le considérait comme le plus beau village d'Espagne. Il y a une telle satisfaction à arriver au bout de la journée de marche. Après, aujourd'hui c'était 22 km et d'arriver dans un endroit qui est absolument magnifique. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être arrivée dans un village médiéval figé, ou presque, bon, si on fait abstraction de tout le côté touristique. Mais oh là là, regardez ça, c'est vraiment très très beau. Je découvre avec vous, enfin un peu en avant-première, mais c'est du direct live quoi.
consommer. J'ai mangé une tortilla. Je suis allée à la supérette m'acheter des tuques et des fruits secs. Et comme ça, je vais embarquer ça demain si j'ai un petit creux sur la route. Et puis, je suis bien vannée, donc je pense que je vais retourner masser mes pieds à l'huile d'arnica. Et je vais pas faire de vieux os ce soir parce que ça a été quand même une sacrée marche pour le premier jour. C'est pas énorme, 22 km, mais on va dire que pour une entrée dans la game, c'est un peu intense pour mes petits pieds. Surtout que j'ai eu un souci avec mes chaussures juste avant de partir. Et elles ont lâché, je les ai amenées chez le cordonnier pour qu'il me les répare. Parce que ça faisait 2 ans et demi que je les faisais et donc du coup elles étaient parfaitement à mon pied. C'est terrible à dire, mais il a un peu massacré mes chaussures. Parce qu'il y avait plein de plis à l'intérieur au point que je ne puisse plus les enfiler tellement ça me faisait mal. Donc Sébastien est parti en urgence me racheter les dernières qui existaient au Mexique dans ma taille, chez Decat. Et il me les a ramenées et pendant tous les jours qui ont précédé mon départ, je les ai chauffées au sèche-cheveux vraiment intensément. Et puis j'ai mis de l'huile de coco, mais vraiment en masse, en très très grande quantité. Et puis j'ai beaucoup marché avec, ensuite je les ai bourrées avec des chaussettes. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai fait 22 km sans avoir mal aux pieds, alors que je faisais pas 1 km sans avoir mal aux pieds avant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis assez contente de ça. Mais là, j'ai quand même mal à 2-3 endroits qu'il va falloir que je masse. Sur ce, je vous retrouve demain. Ce soir-là, le couvent propose une bénédiction des pèlerins pour ceux qui le souhaitent. Le rassemblement commence par une brève présentation de chacun de nous, suivie d'une présentation de l'ancien couvent construit au XVIIe siècle, à la suite de laquelle s'enchaînent quelques chants. Un sacré moment. Ce fut une délicieuse soirée, et c'est tant mieux, car je ne le savais pas encore, mais la journée qui allait suivre allait me mettre à rude épreuve. De marche, les conditions sont pas idéales, mais ça va aller. Espérons que ça soit pas comme ça toute la journée. Et puis que je vais avoir du mal à vous filmer si plus on continue comme ça, je pense. Bon, les conditions météo ne s'améliorent absolument pas. Je sais pas si ça va être ça sur l'intégralité du chemin. Je crois qu'il y a... J'ai 22 ou 25 km aujourd'hui jusqu'à ma prochaine étape. Donc, vu le ciel, c'est mal barré, mais on peut toujours espérer. Par contre, les paysages sont magnifiques. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent, en plus à la pluie. Mais les paysages sont... magnifique, c'est vraiment très très beau. C'est calme, il y a les oiseaux.
c'est vraiment chouette. Bon, arrivé à Cobreces sous un temps absolument catastrophique, mais regardez comme c'est beau. Bon, on essaie de se rapprocher, mais ça fait à peu près 15 km de marche là déjà. Et j'avoue que j'en vois plus la fin personnellement. Quoi de mieux qu'un Mikado pour m'aider à terminer. Bon, je suis à la plage de Comillas. Il me reste à peu près 1,5 km. Je pense une petite demi-heure, un petit peu moins. Mais c'est de la montée, donc voilà. J'ai hâte d'être arrivée, j'ai vraiment, vraiment hâte. Par contre, il y a des belles falaises qui donnent sur la mer. Je pense qu'un jour de grand soleil, ça doit être absolument magnifique, vraiment. Bon, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, physiquement et psychologiquement, ça a été un peu difficile. Je suis contente d'arriver bientôt. Il y a eu de la pluie du départ pendant les 15 premiers kilomètres. Représente beaucoup beaucoup d'heures et psychologiquement c'était vraiment difficile, j'avais très très mal aux pieds, j'étais trempée malgré toutes les protections, le pantalon finit par être trempé en entier et donc dégouliné dans les chaussures, dans les chaussettes, et ça c'est vrai que c'est assez difficile. Moi je suis pas habituée à autant de pluie. Plus la fatigue, plus un petit peu tout. J'avoue que j'ai eu un gros coup de mou tout à l'heure avant de m'arrêter manger. Et heureusement, je me suis arrêtée, ça m'a fait du bien. Mais mon Dieu, j'ai encore un sacré dénivelé pour arriver. Ah. Qui a dit que c'était du repos tout ça? Des marches, des marches, toujours des marches. On est quand même déjà un peu plus haut que le niveau de la mer, hein. Hop. Alors, Comillas est une ville qui est notamment connue pour une célèbre maison que l'on appelle El Capricho de Gaudi. Donc c'est le caprice de Gaudi. Gaudi qui est mondialement connu pour toutes ses œuvres en Espagne. Donc vu qu'il ne pleut plus, une fois que je serai posée et douchée, je pense que j'irai voir ça d'un peu plus près. Bon, la route des baleines et des pêcheurs. Au 20e siècle, c'était comme ça. On a du mal à croire que c'est encore comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais regardez ça comme c'est beau.
appelle cet endroit la porte des oiseaux. Bon, petite séance de soins parce que j'ai une méga ampoule et une petite. Et je vais pas pouvoir repartir avec les pieds comme ça demain. Bon, je viens de décider d'aller visiter le Caprice de Gaudi. Et ben en plus, je devrais avoir des choses à vous raconter puisque j'ai pris, on a l'audio guide avec. Donc du coup, ah ben c'est parti. Anthony Gaudi, architecte catalan, est le précurseur du modernisme espagnol. Si son nom vous dit vaguement quelque chose, c'est parce que ce sont sous ses traits de crayon que la mondialement célèbre Sagrada Familia de Barcelone a vu le jour. Le Caprice de Gaudi date de la même époque, sauf que celui-ci, plus modeste, a presque été terminé. Bien qu'aimant beaucoup l'architecture, je dois reconnaître ne pas être des plus sensibles au modernisme. Mais cette maison cache quelques petites pépites, dont une pièce sous les toits et un magnifique patio. La présence des tournesols n'est pas seulement un élément de décoration. Gaudi aimait énormément le naturalisme et beaucoup de ses œuvres s'inspirent de la nature. D'ailleurs, ces tournesols apportent tout leur sens à l'édifice, puisqu'il a été conçu pour suivre le soleil. Si on n'a pas peur, il y a des sièges. Bon, alors du coup, on est au-dessus du vide. Hein. Si on n'a pas le vertige, franchement, c'est une super bonne idée. Ici, on voit le fer à cheval qui a été dessiné. Je suis quand même relativement en hauteur, mais on ne voit pas du tout quand on est en bas. Et puis avec les petits buissons qui font office des clous, c'est vraiment très joli. Ce soir-là, mes pieds étaient quelque peu amochés. Après s'être noyés dans mes chaussures, d'énormes ampoules avaient fait leur apparition, m'obligeant à poser plusieurs drains, mettre de l'argile et le lendemain matin, poser des pansements seconde peau pour avoir une chance de pouvoir repartir. Par chance, la nuit fut bonne et c'est dans la joie et la bonne humeur que je bouclais mon sac le lendemain matin, prête à reprendre la route. À plus tard. À plus tard. Oh my, je sens que j'en ai mis dedans le sac. Allez, on va enlever ce que j'ai là-dedans. Bon, nouvelle journée de marche. Aujourd'hui, on part avec le soleil et franchement, ça fait vraiment du bien au moral parce que la journée d'hier a été très très difficile psychologiquement pour moi. J'étais vraiment très 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 mal. Donc on quitte Comillas, on marche en direction de Cerdio. On a un peu plus d'une vingtaine de kilomètres environ. Espérons qu'on arrive avant que la pluie n'arrive, parce qu'il devrait y en avoir à partir du milieu d'après-midi plus ou moins. Donc le but c'est d'arriver à avancer le plus possible. J'ai laissé mes drains sur mes pieds, j'espère que les ampoules ne feront pas trop mal. J'ai remis deux compides et puis on avant Guingamp, hein. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. C'est vraiment très 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 joli comme village. Regardez. Et un petit peu plus haut sur les hauteurs, je voulais filmer aussi, il y a l'université pontificale.
incroyable il s'agit. Le palace de Sobreanu, c'était l'ancien séminaire majeur de Comillas. Kilomètres après être sorti de la ville, les paysages commencent à changer rapidement. On entre en pleine nature, et bien qu'on longe encore une grande voie pour l'instant, les paysages s'annoncent magnifiques. Ça y est, j'entre dans le parc naturel de Oyambre. Bonjour, mon Dieu, que t'es beau! Les paysages sont vraiment magnifiques. Bah, là, on longe la route. Mais regardez, c'est tellement beau. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de marches. Le chemin passe dans le... Donc, dans la... le parc national, mais aussi sur la plage qui apparemment est une plage magnifique. Donc je pense que je devrais en prendre plein la vue. Et vu que le soleil est là, bon, j'ai enlevé mon pull, mais ce matin il faisait quand même 12 degrés au départ, 12 ou 13 degrés. Mais je pense qu'on va avoir une belle journée. Ils annoncent de la pluie en fin de journée, mais c'est pas très grave. J'espère être arrivée à bon port d'ici là, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Arrivé au bord de la mer. Je commence à marcher dans le sable. Arrivé à mi-côte, ça continue de monter, mais regardez-moi cette vue. Bon, du coup, ça donne une bonne idée du dénivelé qui vient d'y avoir, mais waouh, ça vaut vraiment le coup. C'est magnifique. C'est magnifique. J'arrive à San Vicente de la Barquera. Une fois que j'aurai traversé le pont juste ici, je vais bifurquer légèrement à gauche et m'enfoncer un peu plus dans les terres. Mais c'est super joli. Avant ça, tortilla, à mon avis. Toi.
tout seul. T'es tout seul, tout seul. Coucou beauté. Salut. Ouais. Oh. Comment ça se fait qu'elle se colle autant à toi, les mouches? C'est des petites plaies. Oh mon dieu, il aurait bien besoin d'être paré. Regarde les sabots. Oui. C'est dans les endroits passants en plus, hein. C'est pas très cool ça. Ouais, toutou. Arrivé dans 5,5 km d'ici 1h30 à Cerdio. Regarde la petite village. La petite église du village est vraiment trop mignonne. Bon, bon, on est déjà à 130 mètres. On continue de monter encore. Un peu essoufflé, hein. J'ai vraiment hâte d'arriver. Je crois qu'il me reste comme 4 km, un truc comme ça. Mais avec le dénivelé, j'avance tout doucement. C'est un truc de fou. Ça monte de folie. Ça descend de folie. Ça remonte de folie. Etc. C'est hyper vallonné. Enfin, du coup, les paysages sont magnifiques. Mais j'avoue que... Ouais, il paraît que c'est magnifique. J'avoue que je suis un peu fatiguée là. Surtout que j'ai eu un problème de chaussures. Hier soir quand je les ai séchées, elles étaient trempées forcément avec la douche qu'il y a eu. Et pour accélérer le séchage et surtout pour me permettre de partir à sec ce matin, je les ai séchées au sèche-cheveux. Sauf que ça a déformé ce que j'avais passé tant de temps à faire. Ce qui fait que là, après 15-17 km, j'arrivais juste plus à marcher avec. Donc, je suis comme ça là. Et ça y est, on arrive sur du plat. Oh, c'est pas les chaussures de rêve pour marcher, mais au moins j'arrive à marcher avec celle-là. Et en effet, c'est vraiment très très beau. Allez, Roi Jacquère. Ce coup-ci, c'est le bon chemin. Parce que tout à l'heure, j'ai quand même pas bifurqué et fini en bas d'une colline qu'il a fallu remonter. Oh. Coucou! Oh, ils sont arrivés en galopant et c'était trop trop beau! Trop trop beau! Salut! Oh! Ouais, tu peux pas t'approcher, nous non plus, là. Nous on a des barbelés. Bon, ce panneau sonne la fin de journée et c'est tant mieux, il est 4 heures passées, je sais pas exactement. Parce que ce soir, je dors à Cerdio, à Apartamentos Ketty. Et c'est trop cool parce qu'au final, on est plusieurs à se retrouver là-bas. Donc, c'est chouette, je suis vraiment chanceuse, il y a un chouette groupe avec des gens qui sont là certains soirs, d'autres qui ne sont pas et c'est trop bien. Mais je suis bien contente, je pense que ça y est, là. On y est. Cette journée qui s'achevait avait une fois encore été superbe. Tout, des paysages à la compagnie en passant par les météos, avait été parfait. À peine le temps d'une douche chaude et de souffler au calme que la température s'est mise à drastiquement chuter, nous amenant à prolonger la soirée entre nous à l'intérieur du gîte. Une douce soirée avant d'attaquer la large étape du lendemain. Bon, 6h40, c'est un nouveau départ.
Je suis un peu fatiguée, la nuit a été courte, je n'ai pas très très bien dormi. Mais ça va aller aujourd'hui. L'étape est monstrueuse, il y a 35,5 km. Et demain après-midi, je dois prendre mon avion. Donc j'ai pris la décision de marcher. Et ensuite, je vais attraper un train qui me mènera jusqu'à Oviedo. Et ce soir, je dormirai du coup à Oviedo. Je visiterai un petit peu la ville. Et puis demain, je prendrai une navette depuis l'hôtel jusqu'à l'aéroport. Je voulais dormir dans un camping ce soir parce que j'avais vraiment envie d'aller camper. Et en fait, je ne trouve absolument rien qui soit rejoignable par le bus ou par le train sans faire 40 trajets, 40 changements. Ou alors en arrivant à 20h. Ce qui est un petit peu ridicule, donc j'étais un peu déçue. Si j'avais su, je me serais arrêtée plus tôt. J'avais vu un camping qui m'a trop donné envie. Mais bon, j'avais réservé ici, donc c'était un peu délicat de les planter juste avant. Je trouve pas ça très correct. Donc voilà, du coup, pas de camping. Je suis un peu déçue. Mais bon, les choses sont comme ça. Une prochaine fois. Et puis du coup, ce soir, je dormirai dans un hôtel. Et j'en profiterai pour visiter la ville d'Oviedo. Et voilà. Bon, allez, sur ce, je vais mettre mes chaussures, terminer de me préparer, manger un petit bout. C'est parti. Oh, bah il fait frais, hein. Regarde à droite comme c'est beau. Bon, eh ben, c'est l'heure de rebrousser chemin, discuter, regarder la nature, on voyait la route tellement belle qu'on s'est avancé. Je pense qu'on a fait 1,5 km sur une route. On a bien dû faire 1,5 km. Facile, dans un sens. Et eh ben, du coup, c'est l'heure de la faire en marche arrière pour reprendre la bonne route. Donc bon, il fait pas très chaud, comme vous le voyez, à ma sexy tenue, ma sexy capuche. Mais... au moins j'ai chaud au cou parce qu'il y a un petit vent, une petite brise vraiment fraîche. Et j'ai oublié de sortir mon châle, mon foulard. Donc ça fait bien l'affaire, donc ça y est. Bah du coup, c'était très beau, on le voit deux fois du coup. Voilà. Fin de matinée. Vous voyez, c'est pas très stylé, mais il reste encore un petit moment avant que mon train arrive. Et puis, je prends le chemin, mais je prends la voie ferrée jusqu'à Oviedo. Et puis, voilà, ce sera fini pour cette fois-ci. Je suis un peu triste d'arrêter. Mes jambes allaient bien, mes pieds allaient bien. Je me sentais bien. Mais je suis tellement contente à l'idée de rentrer et retrouver. Seb, retrouver mes petits cœurs c'est trop important, donc ouais, je suis vraiment contente. Donc je vais prendre ce train
avec joie, même si c'était un peu difficile de laisser les filles. Mais bon, c'est comme ça. C'est le chemin. On a chacune notre chemin, chacun notre chemin. Et moi, le mien, bah, aujourd'hui, il fait une pause. Et ce sera l'occasion de le reprendre un jour, à un moment donné. Et c'est bien le plus important. Je suis venue et j'ai appris tellement de choses en une semaine que je savais pas trop ce que je venais chercher ici. Mais au bout de 3 jours, la troisième nuit, j'ai discuté avec Seb et en parlant avec lui, en fait, j'ai compris. J'ai compris ce que je venais faire ici, pourquoi j'étais venue ici plutôt qu'aller faire autre chose. Plutôt qu'aller voir des amis ou retrouver une amie en Algarve. Donc voilà, je suis vraiment contente. Je suis vraiment très 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 contente. Et maintenant, je vais attendre patiemment que mon train arrive en direction d'Oviedo. Cette fin d'étape en train, plus que jamais seule avec moi-même, découvrant à vitesse grand V tous les paysages que les filles découvriraient un peu plus tard dans la journée ou demain, vint fermer la parenthèse de ce séjour hors du temps. Jamais je n'aurais pu imaginer le chemin qui m'attendait. Plus encore que la nature, le calme et l'introspection, ce qui m'aura marqué plus que tout aura été les rencontres. À commencer par la jeune et pétillante Diane, professeure de collège en pleine reconversion, pour qui j'ai tout de suite eu un coup de cœur. La tumultueuse et passionnante Delphine, ou encore Marina et Dario, qui me marquèrent par leur infinie douceur. Christine et son mari, des retraités plus en forme que bon nombre de trentenaires, ou Diego, un papa poule espagnol vivant sur le Camino Frances, venant s'accorder une pause en solitaire. Et bien évidemment, mon fidèle binôme, Véronique, qui sans nul doute se reconnaîtra, et qui dans les moments de détresse physique et émotionnelle, fut le pilier dont chaque personne a besoin. Jamais je n'aurais pu imaginer tisser des liens aussi forts avec certaines personnes en si peu de temps. Pourtant, pour avoir assisté à quelques scènes et écouté bon nombre d'anecdotes, j'ai bien compris que sur le chemin, comme dans la vie ou encore comme dans un panier de pommes, il y a toujours un fruit pourri qui essaye de pourrir le reste du panier. Mais sur le chemin, comme n'importe où ailleurs, il est préférable d'ignorer ce genre de grossier personnage et plus que jamais, continuer sa route. En sortant du train, je retrouve Liselotte, avec qui j'avais dormi lundi soir, qui prend elle aussi son avion le lendemain. Elle rentre chez elle en Hollande. L'arrivée à Oviedo fut un choc auquel je n'aurais pas pu me préparer. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a de la circulation. Et même si tout semble si beau, la campagne et les pâturages à perte de vue me manquent terriblement. Toutes les deux, un peu remuées par ce plongeon dans le grand bain citadin, on décide naturellement de traverser la ville ensemble, en direction du centre, et nous nous quittons au pied de mon hôtel. Je me sens à la fois vidée émotionnellement et remplie par tout ce que je viens de vivre. J'ai envie de sortir découvrir la ville, mais je me sens envahie par tout ce qui fait finalement d'une ville une ville et décide de finir ma soirée au calme à l'hôtel avant de déjà devoir repartir le lendemain matin. Le chemin est dès à présent derrière moi. Maintenant, je ne pense plus qu'à une chose, rentrer chez moi, au Mexique, et serrer fort contre moi ces 4 amours qui, malgré la joie de ce merveilleux voyage, m'ont terriblement manqué.